une suite logique de la visite entamée depuis 2 semaines dans la zone septentrionale pour s'enquérir des réalités des départements de l'enseignement supérieur au Tchad que Dr Tom Erdimi, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, et sa suite se trouve à Sar après le 2 Logon. Après être accueilli au gouvernorat, le recteur de l'Académie du Sud-Est, professeur Mbaïngina Mbaïlaou, a situé la cartographie de son institution avec les différents centres de formation professionnelle et universitaire, tout en énumérant quelques difficultés pour le gouverneur de la province du Moïchari, Abdraman Ahmad Bargou. C'est une occasion importante pour le ministre d'être présent et constater de visu les conditions de travail des enseignants relevant de son département et celles des étudiants de sa province qui restent les vraies valeurs d'un développement d'une nation comme la nôtre. Tout en prenant bonne note de toutes ces doléances, Dr Tom Erdimi souligne que l'objectif de cette mission est d'être en contact avec tout le personnel de son ministère, de chaque province, et toucher du doigt les problèmes qui minent l'enseignement supérieur au Tchad. La réunion du directoire, c'est une réunion qui regroupe tous les responsables des établissements de l'enseignement supérieur, public y compris privé, pour préparer la rentrée académique 2024-2025, pour faire un peu le bilan de l'année passée et on démarre l'année académique.